Bonsoir à vous tous et bonsoir à vous toutes, c'est Muriel, chamane, médium, tarologue, et je vous retrouve ce soir après malheureusement l'élection de Manu. Eh bien, on est un peu dans le caca. Voilà, donc rassurez-vous, il a gagné une élection, il a gagné un morceau de guerre, mais pas la guerre, et ça va continuer dans le futur, je pense, avec la lumière et le retour de quelque chose de très positif. En attendant, effectivement, c'est pas bon du tout. À croire que beaucoup de Français sont décérébrés pour pouvoir encore aller voter une personne pareille, je ne comprends pas. Mes cartes jusqu'à la fin, encore cet après-midi, m'ont dit que la gagnante était Marine. Bah, écoutez, peut-être que je les ai influencés, peut-être qu'il y a autre chose derrière qu'on ne connaît pas. Et ce soir, je vais vous faire quand même un petit tirage en croix au Béline pour voir un peu ce qui se passe avec Monsieur Manu. Alors, l'élection. Vous voyez, accident, beaucoup de foule, beaucoup de monde dans les rues. Genre de petite révolution pour ce soir et ça va continuer dans les jours à venir. Il y aura beaucoup de choses. Justement, ça, c'est lui. Donc, vous voyez, accident. Beaucoup de choses contre lui, beaucoup de gens dans les rues. Parce que tout le monde pense qu'il a gagné, mais moi, je vous dis qu'il n'est pas prêt de gagner complètement. Et si on tire les bélines, qu'est-ce qu'on s'attend dans le futur très proche? Voyez, il y a comme des procès, l'héritage, le procès. Ici, vous avez la tour qui représente l'Élysée, si vous voulez. Des découvertes, des choses cachées. Et une élévation pour nous dans la spiritualité. Qu'est-ce qui va se passer? Voyez, la trahison sort ici tout de suite à la coupe, hein, dans le jeu. Je ne comprends pas, je parle doucement parce que il est déjà tard. Inconstance, vous avez l'inconstance ici en centre de jeu. Donc les gens ne sont pas bien grands pour parler. À l'Élysée, il y a des problèmes ici avec Mars. Beaucoup de monde dans les rues, on retrouve un bonheur, mais il va falloir attendre un peu. Et voilà, et on retrouve ici un départ. Donc normalement, il repart. Et la fatalité, la faux qui balaye le jeu, la fin d'un cycle, le début d'autre chose. Normalement, dans un futur, il ne reste pas. Je reste encore sur mes positions. Alors, il parle de victoire pour Madame Marine, effectivement, elle a dû faire 41 ou 42. C'est une victoire pour elle. Moi, je la voyais présidente. On peut se tromper, mais pour moi, il ne restera pas président. C'est pour ça que je la vois présidente. Je referai une autre vidéo un peu aussi sur peut-être une cohabitation à venir dans le futur. Il y aura peut-être une cohabitation. C'est peut-être pour ça que je voyais une femme présidente. Il y a peut-être une cohabitation dans le futur. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Je suis avec vous. Tout le monde croit qu'il a gagné, c'est vrai qu'il va être président, mais il n'a pas gagné. Et croyez-moi que ça va bouger dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Gardez confiance, espérez en la lumière, priez beaucoup et nous allons sortir de tout ça. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle nuit. Essayez de dormir et pensez qu'au positif. À bientôt, au revoir.